C'est vrai que j'ai oublié d'enregistrer avant qu'elle aille se coucher. Ça va bien, Justine, merci. Ah, super, ça va bien. Perfect. C'est bon, ils sont calmés? Vas-y. Et là, du coup, vu que j'avais oublié, je vais y penser et... Je n'aimerais pas qu'elle meure, tout simplement. Je serais triste éperdument. Surtout qu'on aurait perdu, quoi, donc ce serait chiant. Perdre un autre Sobéry, même pas parce qu'on a loupé les objectifs, mais parce que le lit a bouffé ma Sims. Ce serait con. Ce serait vraiment stupide. Ah oui? T'as raison, hein, Titi. Ah oui, j'ai raison. Quand même, faut pas déconner. Papa, papa. Voilà, toujours la même tenue de merde, hein. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Elle pense à bouffer, saluer trois patients, examiner les yeux d'un patient. Ah! Et prélever un échantillon d'un patient. Alors, on va saluer trois patients. Oh, encore des gosses. Bon, en même temps, il n'y en a que trois. Madame Lola Chan. Amicale. Présentation amicale. Amicale. Et ça, c'est Stéphane Dubois. Pas plus banal. Oh, elle a le corona, elle. Elle a toussé. Et ça, c'est technicienne en pollinisation senior 3. Alors, madame, tu nous touches pas. Ah, par contre, t'es belle, hein. Mais normalement, il n'y a plus d'aliens, hein. Je les ai supprimés. Alors, qui c'est qui a un problème au œil? Oh, il y a une saleté, là. Non, mais on s'en fout. On n'a pas dit de parler avec. On a dit de les saluer. Jacqueline. Alors, ça c'est fait. Tu vas examiner le patient. Les yeux. Ce patient a déjà été diagnostiqué. Super. Alors. Super. Super. Prélever un échantillon. J'ai pas vu tout de suite. Prélever un échantillon. Bon, je sens que ça va être sympa, tiens. Unité Covid. Ça serait vraiment triste, ça m'étonnerait pas du tout arrivé ça. Faut pas qu'il soit cassé pour ça. Je sais plus de quoi je parlais déjà. Parce que les Sims peuvent mourir avec ce lit. Ah oui, oui, Valouchka, ya oui. Alors tout le monde a réussi à tuer un Sims avec ce lit. Moi pas. Et j'ai voulu, hein. J'ai voulu en tuer, je n'ai pas réussi. Donc faudrait pas que ça arrive au moment où je veux pas. Il n'y a pas une seule fois où elle s'est fait avaler par ce lit. Le lit, il a été nickel depuis qu'elle l'a. Mais... Je peux pas le faire. Comment on fait, du coup? Parce que ça sert à rien en fait, si je peux pas le faire. Faut que j'examine. Non, il faut peut-être que j'en fasse. Ouais. Ah, monsieur, vous êtes revenu? Et lui, c'est Miguel de la Cruz. Oh, lui, il a pété des oreilles. Donner un médicament à un patient. Bah ouais, mais. Parce que du coup, s'ils ont pas été examinés, c'est que je peux l'examiner. On est d'accord? Alors. Examiner le pas. Oui, examiner un œil. Et prendre un prélèvement. Ouais, j'ai tout compris toute seule comme une grande. Faut le cœur que ce soit bleu. J'ai compris. Réussi avec un examen d'entraînement sur un patient. Les résultats du test ont l'air valides. Mais donner un petit dépasse c'est un peu étonnant. Prout, prout, prout. Un échantillon de tissu viable a été prélevé avec succès sur Arthur Martinez. Doit tester dans un ordinateur chimique pour obtenir des données qui viennent sortir son diagnostic. Examiner les oreilles. Bon, on va tout examiner, mon gars. Hein. On va te regarder tous les trous. Alors, prépare-toi. Il y en a certes. Ah oui! Ah oui! Merde! Attendez. Oui, je sais que c'est revenu sur la. Oui, bah oui, je suis ici maintenant. Je suis au courant, ne vous inquiétez pas.
Mais j'ai pas mis le raccourci, il l'a gardé, en fait. C'est marrant. Je voulais faire ça. Je vais prendre en photo. Ce sera peut-être ça la miniature. Ça me fait marrer. Et l'autre, il a pas de cervelle, il a la lumière qui passe à travers. Oh, vous me direz, c'est le cas de beaucoup de personnes dans ce monde, hein. C'est marrant. Faut pas grand-chose, moi. Merci beaucoup, Jomanon. Jomanon, je ne sais pas trop comment dire. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah oui, t'inquiète, je compte pas changer en tout cas. Merci beaucoup. Gros bisous à toi et un smiley boule. Et merci évidemment à Aurélien Alpes qui m'a follow aussi. Bienvenue à toi et merci beaucoup pour ton follow. Tous les poux, même les plus intimes, monsieur, laissez-vous guider. C'est ça. C'est exactement ça. Mais tous les trous vont y passer, donc n'hésitez pas. Soyez pas timide, hein. Ouais, j'ai pas lu, je m'en fous. Transférer le cas du patient, analyser l'échantillon. Alors attends. Examiner. On va prendre la température. Non, on va. Déjà à la fin. J'aimerais qu'elle aille bouffer déjà, parce qu'elle casse les pieds. Par contre, c'est pas dans tes objectifs, hein, de manger. Donc t'es chiante. Hein. Mais c'est vrai que la salle de repos, elle est strictement dégueulasse. Hein. Je sais qu'il y a plein de monde qui ont refait les hôpitaux et tout. Peut-être que j'irai voir dans la galerie. Je vais partir jouer au Sims Cheer, un Cheer, un agent 21, boule. Ah, ça faisait longtemps, Quentin, que t'avais pas fait tir, un tir, un tir, un tir. Eh ben, pas de soucis. Bon jeu à toi. Le Ouais, toucher je crois qu'il rectal faut fait aussi toujours soigner les malades. plaisir. Trop kiki comme petit cul. J'aurais pas été jusque-là, Miss Sky, mais... Si toi, t'aimes bien ça. Chacun son truc. C'est pas trop mon kiff. Enfin, j'en ai jamais eu, hein, moi, perso, mais... Je pense pas que j'en voudrais, hein, en vrai. Salut, Lou, comment tu vas? Coucou, Ned Flanders. Pourquoi Ned Flanders? Allez, va picouser quelqu'un, là. Ah non, bah non. Analyser. Bon, on est pas là, on gère pas, hein. Enfin, il en reste encore du temps, mais... On n'est pas trop au top, hein. Analyse complète. Les tests effectués sur l'échantillon de tissu du patient dans l'analyseur n'ont pas été concluants. D'accord. Lisa est perplexe à cause de ses résultats douteux et aura besoin de faire plus d'examens sur Arthur Martinez. Tous les trous, monsieur. On vous l'avait dit. Garçon, je sais plus où ils habitent, moi. Tous les trous-trous. Tous les trous-trous. Ah, on peut plus! Pourquoi on peut plus prélever un échantillon? Ah bah je vais le transférer, c'est ça, on s'en fout, on le dégage en vrai. Allez, tu vas le transférer. On s'en occupe plus. Ah! Agent Chirlo! Argent Chirlo! N'importe quoi. Mais il y a deux vrais. Il y a deux personnes. Il y a Cloud qui était là. C'était un ex de qui, ça, déjà, dans la génération grise? Je savais même pas. Alors, on va le donner à un vrai médecin, enfin, hein, quelqu'un d'humain. Prendre la température. Du coup, on peut plus. Il faut que j'admette quelqu'un. Oula! Elsa Lucien. Gaïa. C'est belle-maman? Bah, c'est belle-maman qui est malade! C'est belle-maman? C'est. Eh bah voilà pourquoi notre futur mari, les beaux gosses, regardez. Elle est plutôt bien réussie, madame, hein, Viens, on va t'ausculter aussi, belle maman. Prépare tes trous, on est prêt. Je suis grave. Alors, on va prendre quoi? On va prendre la température, c'est beaucoup plus drôle. Parce qu'ils sont toujours des phrases du type voisi, voisinou. Ah ouais, tu t'électrocutes les patients avec un truc de température, toi. Ça fait d'accord, c'est bizarre, mais je pensais à une autre forme de toucher avec Monsieur Côté Zizi, moi aussi. C'est un Sims, Aina?
Oui, j'avoue, il ressemble à son style, mais je sais pas du tout si Gaïa s'est examiné les oreilles. Crevixobi? Ah, la tête qu'elle fait. Madame, t'as rien dans le crâne. Mais arrête de vouloir lire des bouquins. Prélever un échantillon. Alors, tu vas prélever un échantillon. Dans quel endroit, on sait pas encore. Ça va se glisser tout seul. Les trucs dégueulasses. Alors, un échantillon tissu viable. Ok. Analyser les tissus et donner un médicament. Et en fait, on fait vraiment. C'est dommage parce que c'est tout le temps la même chose en fait, mais bon. Je trouve que c'est beaucoup. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus redondant que scientifique. Ou c'est parce que j'ai pas le. Alors, n'ont pas été concluants, d'accord. Bon, tu fais de la merde, hein. A besoin de faire plus d'examens. Ok. Tu as examiné les yeux. Vas-y! Qu'est-ce qu'il y a? A réussi un examen d'entraînement sur un patient. Bah, j'espère. Est-ce qu'on a droit de donner des médicaments? Je vais reprendre la température. Elle est encore électrocutée. Mais tu fais de la merde, hein? Vas-y. Le danser, là. Allez! Tu fais quoi, là, déjà? S'occuper du patient, mais... bon. Tu veux pas prendre la température? Ça marche pas? Ça a marché! Ça a marché! Ça a marché! Tu vas transférer parce qu'on peut pas donner de médoc. Oh bah à Cloud! À Clou! On va donner ça à Clou. Putain, mais on va avoir tous les lits de prix, hein! Qui c'est qui va passer sur le billard là? Alors, nous avons un petit rouquin, Jérôme Gray. Nous avons Miguel. Nous avons Elsa. Et madame, elle donne pas envie. Allez, on va prendre le roux. Pour changer un peu. Oh non, mais belle maman, c'était obligé qu'on l'invite. Ce serait dommage de louper une si belle rencontre. Genre, maman, faut que je te présente ma nouvelle chérie. Ah bon? C'est elle qui m'a. Ben, on s'est rencontrés à l'hôpital. Elle m'a ausculté tous les trous. Je veux pas vexer ta cimette, mais je serais jamais séparée. Non, mais t'inquiète, moi non plus. Alors, prélever un échantillon. On va essayer de faire le mieux et examiner les yeux. Voilà. Pour essayer d'arriver à l'or. Allez, ouvrez grand votre bouche, monsieur. Mais quel gogol! Mais quel gogol, Lila! Mais tu sais rien foutre! Allez, vas-y, arrête de te plaindre! Allez! Il reste un peu de temps là, il faut qu'on ait l'or. En fait, c'est vraiment des trucs débiles qui me font rire dans les Sims, ce genre de détails. C'est tout con, mais moi ça me fait marrer parce que tu te dis. Bah ouais, non, mais c'est rigolo, c'est comme s'il avait rien dans la tête, quoi. C'est marrant, moi ça me fait marrer. C'est l'humour Sims débile qui me fait rire, quoi. On est alors, on est alors, on est alors. Alors. Il reste 18 minutes. Allez. On est des professionnels. Elle a refait la famille Villarreal. En plus, j'ai vu ce jour sur la galerie. Ah, mais là, je pense que c'est un truc plus vieux, hein. Je pense qu'il est né. Ah, remarque, je sais pas. C'est peut-être un de ces Sims que j'ai. Ouais, que j'ai ajouté il y a une semaine ou 2 semaines. C'est peut-être ça. Je sais plus. Faudrait que j'aille voir. C'est ce que tu n'as pas la fibre médicale, mais dans la carrière scientifique, tu refaisais souvent les mêmes choses. Je suis en train de regarder les zones sombrées depuis le début. Ah, d'accord. Et 240 Simflouz pour autant d'énergie. C'est pas cher payé. Hein. Après, si je gagnais 240 euros par jour de travail, j'avoue, ça passe. À la fin de la semaine, t'as plus besoin de bosser pour le reste du mois, quoi. 5 jours à 240 balles, même le SMIC, ben, il peut se... Hein? Alors, tu vas aller à la douche, tu vas aller au pipi.
Est-ce que tu dois t'occuper des... Ouais, tu vas t'occuper de ça. Et on va appeler Danny après. Oh, Danny! Danny Good! Danny! Danny Good! Bon, vas-y, arrête avec tes rats là, c'est bon. Alors, ouais, non, j'allais dire une douche en buée, mais il est pas encore. Il est pas encore bon à marier, ce petit. Il est encore ado. Pas grave, on va nouer des liens. Qu'est-ce que. Yann Charme. Ah, mais il y a un problème sur la marchandise, là. Enfin, je connais pas vos goûts, mais non. Moi, il ne me charme pas. Coucou, chérie. Oh! Ah bah non, c'est vrai qu'il rentre tout seul. J'allais dire, bah je vois pas. Le mec, il se croit déjà chez lui, hein, un petit peu quand même, hein. Ah, caca, il a dit. Il a dit caca. J'ai entendu. Ça fait 1200 euros la semaine, ça serait fort sympathique, et 4800 le mois. Ah la vache. Ah ouais, moi aussi, hein. C'est quoi le ID Ina? C'est Love Ina 801. Mais alors, comment c'est écrit? Des fois, il y a des zéros, des fois, il y a des 3 qui font des E. Je suis bête. Oui, connecté. Eh ben non, c'est Love Ina 801 sans rien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Y a, voilà, c'est directement écrit comme ça. Voilà, comme ça, vous l'aurez vu. Et voilà! Vous pourrez aller voir sur sa galerie. Ouais, mais des fois, elle met des zéros, des fois, elle met pas. Des fois, t'as un 3 qui fait un E, des fois, il n'y a pas. Donc, de moi, je sais jamais. Salut, beau gosse! Allez, on devient meilleurs amis, parce qu'on est comme ça, nous. Cette musique de meilleur ami, à chaque fois je me tape des bons quand je m'y attends pas, que j'oubliais que je l'avais fait, tu vois. Non, Nuage, tu passes un peu trop ton temps chez moi, j'en ai marre. Oh! On va encore attendre un petit peu avant qu'il devienne. C'est comme moi, il m'est tiré. Oui, c'est ça, c'est. Tu veux jouer avec lui? Attends. Bah non. Oui. Bah non. Ça, tu t'entretiens et tu l'entretiens. C'est parfait. Vous serez un couple parfaitement entretenu. Par moment, c'est tiré du 6 et les autres tiré du 8. C'est ça, c'est... Moi, ça va, je suis pas trop compliqué. C'est tout avec des lettres. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a même pas de majuscule, moi, comme ça. C'est facile. Allez! Prends la responsabilité. Sois responsable, mon petit. Raconter une histoire scandaleuse. Non, mais après, je sais que ça, la coupe de cheveux ne lui va pas du tout, mais quand même. Monsieur, faut aller vous faire relooker. Je sais pas, vous allez pas être marié, quoi. Ah si, 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 il est marié, hein. Ah si, si, il a... C'est pas elle, sa femme, justement? Non. Mais il a trouvé une femme à... Bah, non. Ils ont de la chance. Hein. Même moche comme des poux, ils arrivent à trouver quelqu'un. Prendre un éternel de si c'est déjà pris ou pas. Non, Justine, je pense pas que j'ai fait la mage. J'ai lancé le jeu au moment où j'ai lancé le live, donc je sais pas s'il y a une... Merci Olesia et bienvenue à toi. Merci pour ton follow. T'es obligé de mettre des chiffres des fois. Ouais, moi pas. En fait, je préfère éviter et mettre autre chose à la limite. Aha! T'as vu comme je jongle bien, mon chou? T'inquiète, quand t'auras 18 ans, c'est avec autre chose que je vais jongler. Hey.
Mais en fait, je crois qu'il y a des petits ajouts qui se sont faits. D'après ce que j'ai vu sur Twitter, on peut donner un nom au plan de vache maintenant. Et par exemple, la lumière qu'on a ici, y en a plein comme moi, des fois je la réduis, tu vois, pour la placer dans certaines pièces, et ben en fait, elle est automatiquement toute petite maintenant. Ils ont fait une lampe complètement toute petite, la même, mais en tout petit. Mais comme j'ai pas eu le temps de regarder le live d'hier, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Je vais tout découvrir, en tout cas du kit, bah, juste après le live. Voilà. Je sais qu'il y a ça. Après, il y a peut-être d'autres choses, hein, mais je sais pas. Des noms en plan de vache, je vais pouvoir appeler Marguerite pour de vrai. C'est ça! Et fitness, niveau 3. Cassez-vous, monsieur. Regardez-nous pas, vous faites peur. Cool pour la lampe. Oui, comme ça, on n'a pas besoin de la réduire, tu vois. Ça nous fait une manip en moins à faire, c'est bien. C'est vrai que moi, c'est vrai que c'est la plus, en fait, c'est la plus simple des lampes de ouf. Et c'est ça qui est bien, en fait, c'est qu'elle est toute simple. Et mais quand tu fais de la constru, ben, tu colles ça, si tu te prends pas la tête, ça te fait de la lumière à l'intérieur. Et puis, ben, tu mets en tout petit parce que comme ça, au moins, tu vois encore mieux, quoi. Et c'est bien, ils ont pensé à ça, ils ont remarqué que les joueurs le faisaient, quoi. Donc c'est bien. C'est celle qui éclaire le mieux? Ah, peut-être, ouais. C'est vrai qu'il y en a qui n'éclairent pas des masses. Bon, c'est très intéressant comme gameplay, les enfants. Elle en a marre. Et quand il y en a marre, on se fait une petite dernière journée après et puis on s'arrêtera, je pense. Oh, attendez. Hein, ça fait déjà 1h30 d'épisode, je crois. Donc, est-ce que ça va faire long, vous pensez? Le bug des toilettes qui prennent feu était résolu. Ah, mais moi, je l'ai jamais eu, donc je peux pas dire. Est-ce que vous, on fait encore une journée ou ça va faire long? Ah, c'était la chanson pour la sortie d'un truc là. À la fac. Exactement, Sky, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ah bah d'accord, lui. Il se plaît hein, chez nous, hein. Ben au moins. À demain, chérie. Ils sont au top, hein. Dès qu'elle va le draguer, il va tomber, hein. Mais c'est bien, c'est que on va faire une journée. Parce que il a 12 sur 13 au niveau de l'âge. Donc il va devenir possiblement jeune adulte le lendemain. Donc on va se faire une journée. On sait pas les plus patients. Parce qu'en fait, c'est long quand elle doit travailler parce qu'on est actif. Mais après, je sais pas. Est-ce qu'on l'envoie au boulot sans qu'on joue avec elle ou. Putain, elle a encore les échantillons, la meuf, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un peu de peinture, tiens. Il est 8h, ça va, tu peux encore faire de la peinture à cette heure-ci. Ah, c'est une fille pleine de ressources qui sait faire plein de choses. De la peinture, du yoga, du foot, elle est médecin, elle danse, elle fait plein de choses. Pécho-le. Ouais, c'est pour ça. Genre, on finit l'épisode, il vient d'emménager et basta quoi. Non, non, non! Mais de où t'es fatigué, toi, hein, ça va pas, non? Il est 22h. Qui c'est qui est là? Ah, c'est encore le moche? Ça, par contre, elle a la danse dans le sang, hein. On pourra pas lui enlever. La meuf parfaite, elle est énervante. Mais non. Mais non, elle est pas parfaite, voyons. Elle est réticente à s'engager, je crois. Elle a 257 points de. Voilà. Génie, réticente à s'engager s'engager et machine à danser. Bien élevée, responsable, médiatrice. Apprends vite. On va au moins passer au niveau d'après. Ah, c'est à bas! Mais je vais me faire strike avec la vidéo, hein, donc je vais changer. Pardon. Parce que je crois que c'est cette chanson-là qui l'ont. Prochain morceau. Voilà.
C'est pas que je vais gagner des millions d'argent avec la vidéo. En plus, de la plupart du temps, je la monétise pas, la Notes au Berry. Bah, je l'ai pas éteint, j'ai mis une pro. Y a plus de musique. Donc. Magnifique toi le. Non, 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 j'ai mis. Non, non, pas de musique personnalisée. Ce serait pire. Je pourrais jamais monétiser mes vidéos sinon. La femme parfaite est une connasse. Surtout qu'il y a beaucoup de connasses qui sont des femmes. Des femmes qui sont des connasses, pardon. Il y a beaucoup de connasses qui sont des femmes. Général, oui, ça c'est que ça, comme ça que ça se fait, mais. Je veux du queen dans le CS. Ouais, mais moi, je pourrais jamais monétiser avec. C'est pas que je gagne beaucoup d'argent, mais c'est pour se faire strike. Imaginons, demain, j'ai 100 000 abonnés et je fais du 50 000 vues par vidéo. 50 balles par vidéo, moi, je prends. Je prends, donc. Je crois que c'est. Non, mais je vais changer la musique parce que. Écoutez, tube de l'été, changer de station électronique. Parce que je crois qu'elles sont toutes monétisées, en fait, Elle ressemble trop à des chansons qu'il y a dans la vraie vie. Salut mamie, H, comment tu vas? Go faire ta promo sur réseau. Mais oui, mais il y a des fois, j'ai des gens qui me disent « Oh, mais je suis choquée que t'as pas plus d'abonnés ou plus de vues et tout. » Je sais pas. Faites-moi ma promo, parce que c'est... Je sais pas. Moi, je le fais autant que je peux, hein, sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, si... Le mieux, à la limite, c'est limite vous qui devrez... Qui pouvait me faire connaître auprès des autres en fait. Niveau 5 de la peinture. Oh, c'est bien ça. C'est bien ça, ma belle. Je suis fière de toi. Parce que ben, je peux pas faire plus en fait. Voilà, vous me dites. À chaque fois, je vois des gens qui me disent ça. Mais oui, mais bon, moi, je fais déjà mon maximum. Après, je suis plus vraiment RT par les Sims. Donc, ben, forcément, ça aide pas. Même en étant game changer, hein, j'ai l'impression que du coup je suis limite moins en vue sur le compte des Sims sur Twitter par exemple. Donc voilà. Et n'hésitez pas sur Twitter à RT mes sorties de vidéos et tout, hein, parce que vraiment ça c'est ce qui marche le mieux. Hein. C'est ce qui marche le mieux, c'est de faire des RT de mes tweets où je sors une vidéo. Parce que sinon, bah. C'est déjà bien, j'ai déjà des abonnés, je sais qu'ils vont voir et tout, mais pour me faire connaître par d'autres personnes, il n'y a rien de mieux que le RT et tout ça, quoi. Ah, merci Justine, c'est gentil. En plus, tu nous mousses, on adore ça. T'es fatiguée, ma cocotte? Zut. En plus, je papote, je t'oublie, moi. Oh, elle va dormir, ma belle. Et je t'éteins ça, comme ça, tu seras pas dérangée. Ouais, c'était une bonne journée, demain, on te case. Enfin, j'espère qu'il sera jeune adulte, entre-temps. Qu'il aura fêté son anniversaire. Ce sera pour la semaine prochaine déjà. Je vais poster dessus dans mon tweet. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, après, c'est aussi comme ça que ça fonctionne en fait. C'est le vous qui partagez, parce que peut-être que vous avez des contacts qui aiment aussi les Sims et tout, hein, je sais pas, moi. C'est. Ah, les gnomes, ils vont venir nous casser les yep. Ah, bah les voilà déjà. Ah, puis en plus, il y a un exhib. Il y a déjà un exhib. Bon, vous savez que maintenant, moi, la fête des récoltes. Ah, ben! Mais elle va pas pouvoir sortir du lit avec tes conneries! Ah, je peux le bouger! Il va faire la gueule! Imaginez, il y a le truc de flamme qui apparaît parce que je l'ai bougé, tu sais. Puis il m'attaque dans la nuit! En plus, il fait peur! Mais t'as bien dormi, cocotte! Allez! Va au lit! Va au pipi, pardon! Et tu vas manger également. Je crois que t'auras pas le temps. Ouais, 7 heures. Bon, elle aura pas le temps de bouffer. Au moins, elle aura pissé. Non, elle travaille pas. Elle travaille pas aujourd'hui! Ah, quel pied. Ok, bon, c'est bon ça. Je pensais qu'il travaillait tout le temps, toute la semaine en fait. Ah, ils m'ont décalé les trucs et tout! D'accord! D'accord! Bah, tu vas monter tes skills, toi, aujourd'hui, cocotte! On va faire venir Jean-Claude, là? Dany?
On va le garder à la baraque jusqu'à temps qu'il tournoie sur lui-même avec des étincelles. Puis voilà. Ça, c'est cool. T'as peur des gnomes? Non. Non, pas du tout. Le bouche à oreille, y'a que ça qui marche tout le temps. Bah, c'est ça. Moi, j'ai pas de contact sur Twitter, je m'en sers jamais. Eh ben, c'est l'occasion, Camille. C'est la meuf qui pousse, tu sais. Bah alors, franchement, t'es pas une bonne abonnée, hein. Non, non, mais en vrai, si vous l'utilisez... Après, je parle de Twitter, mais si vous avez, je sais pas, moi... Si vous êtes actif sur des forums, des machins, des sites, j'en sais rien. Enfin, c'est plus trop le cas, parce que les forums, c'est plus trop tendance. Mais bon... Je sais pas, si vous avez un contact avec des gens qui aiment les jeux vidéo ou les Sims... bah, sur Facebook, il y a plein de groupes, hein, sur les Sims, si vous en faites partie de certains, voilà, tout ça, je veux dire... Parce que moi, je peux le faire, mais en fait, j'aime pas, en fait, trop le faire. Je fais ma promo limite parce que sur mes comptes, parce que c'est légitime de base, mais tout le temps aller poster mon contenu sur les autres pages, ça ferait trop et j'ai pas envie d'être trop relou en fait. J'ai au moins la décence de pas voilà. Je devrais, hein, y en a ils se gênent pas, hein, mais après je devrais faire comme d'autres qui viennent sur mes vidéos pour parler de leur propre chaîne, hein. En disant oui, hein, moi je fais des let's play complètement originaux. Ouais, bah vas-y, pète-la toi quoi, t'as raison. Parce que moi ils te les sont pas, t'as raison. C'est vrai que mais ouais, je fais une note Soberry, je fais un Legacy. C'est pas original pour un sou ça. Attendez, tu vas me faire du yoga. J'aime bien monter tout. Un moumou, tu as faim mon chéri? Moi oh, oui, j'arrive mon cœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ah ouais, t'es que là! Ah ouais! Ah bah on va augmenter là. On va atteindre le niveau 3. Et puis on va aller jusqu'au niveau 4, même si tu pues. Je m'en fous. Voilà, niveau 3. On va y aller, hein. Un mouche-mouche. Ah oui, ma coucougnette. Ça te ressemble pas aussi? Non, c'est ça. Je pourrais me forcer, mais au bout d'un moment, tu vois, non. Enfin, je le fais en fait quand je sors quelque chose de nouveau. Je sais que quand je suis sorti le Lord and Lady Challenge, je l'ai posté sur des pages sur Facebook parce que je me suis dit c'est quelque chose de nouveau et c'est. Mais toutes les semaines, c'est redondant en fait. Voilà. C'est pas mon style. Et puis quand je vois des gens qui disent ouais, ah, j'ai envie de regarder des nouveautés sur YouTube, vous me conseillez qui? Je vais pas dire ben moi, eh, tu peux me regarder moi s'il te plaît? C'est un peu chelou. Donc non, enfin, je le fais pas quoi. Parce que c'est pas. Non. Il y en a, ils le font, mais moi, c'est. Non, ça me dérange de le faire, tu vois. Je préfère encore parler d'une autre chaîne que de moi. Mais je devrais me parler de moi, mais. Mais non. Tu fais leur lady, ça c'est cool. Oui, mais la meuf, elle vient mettre sur une. Attends, la meuf, elle est quand même venue commenter sur la vidéo des règles donc du Lord of the Rings, l'épisode 0, avant que je commence, pour dire oh oui, je fais des let's play. Originaux, genre les autres ils le font pas quoi, c'est la seule à faire des effets originaux. Pourquoi pas, hein, moi je sais pas. Et puis elle demandait des conseils, machin, je dis ouais, donc meuf, tu viens faire ta pub sur les vidéos qui a pas mal de vues, tu vois. Parce qu'elle sait que comme il y a beaucoup de vues, ben elle se dit, il y a beaucoup de monde qui verra mon com, sauf que c'était en spam, parce qu'il était en spam, ça veut dire quoi? Qu'elle l'a posté sur plein de vidéos d'autres chaînes qui ont plus ou moins d'abonnés. Comme moi, ou des beaucoup plus grosses, sûrement, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire qu'elle a été le poster sur plein de chaînes. Donc je lui ai dit, ben, tu resteras en spam, ma cocotte. Et après, t'as une manière intelligente de vouloir faire ta pub, mais là, il n'y avait même pas un mot pour moi, tu vois. Donc je suis, bah, va te faire foutre, quoi. Tu viens juste faire ta promo à toi, c'est bien, mais t'es sur mon challenge, tu vois. Je sais pas, enfin, moi, je le fais pas, quoi. Je vais pas. Non, on te répond pas, on s'en fout. Enfin, moi, je comprends pas. Il y en a, ils ont peur de rien et ils ont raison, ça doit sûrement marcher, mais moi, je le ferai pas. Pas besoin de plus, c'est gentil, Lou, c'est très très gentil, mais. Venez voir ma chaîne sur les Sims, lol, c'est ça. C'est ça. C'est plus prétentieux. Ah, mais complètement! C'est pour ça que j'ai halluciné quand j'ai vu Scom, je sais déjà, elle vient faire sa pub. Elle vient sur une vidéo qui a beaucoup de vues. Donc, elle calcule le truc, tu vois, c'est pas comme si. Voilà. Et en plus, elle dit, ouais, je fais des trucs originaux. Bah, je pense que tout le monde essaye d'être original, tu vois, mais... Il y en a
y en a qui ne réussissent pas, mais. Allez, on est à 3 compétences sur 4 au niveau 4. Oh, tu vas faire à bouffer. Allez, tu vas préparer un grand repas. Tu vas me faire du jambon. Allez, je suis jambon aujourd'hui. Bon, ce sera pas halal, hein, je suis désolée. Ni halal, ni kasher aujourd'hui. Ah, les rats, ils sont revenus. Elle va pas vouloir faire sa douche. Pire, elle ira cuisiner en puant. Hein. Elle mettra de la sueur dans sa bouffe. Ça donnera du goût. Je le fais pour toi. Ah, c'est gentil. Le forcing. Oui, bah non, mais je vous jure. Hein. Moi, j'envoie dans les coms. Hein. Vu que je lis tous mes commentaires et que j'y réponds, j'envoie des trucs. Des fois, bon, bah c'est plus ou moins bien armé, tu vois. Mais je comprends que tu veuilles faire ta pub chez les autres quand tu vois qu'il y a des personnes qui ont plus d'abonnés. Et je comprends. C'est humain et il y en a beaucoup qui le font. Moi, c'est pas. J'aime pas ça parce que bah, ça me ressemble pas et voilà. Mais. T'as des manières de faire, quoi. Moi, je cherche des vidéos toujours identiques et très conditionnées. Ah ouais, je comprends, hein, c'est mieux. Hein. Les étalages pelouses, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, moi. C'est mieux d'être créateur, d'être originaux, mais au moins apporter sa patte, son truc. Je sais. Ouais, bah oui, enfin, je sais. Bah oui, c'est logique. Tu utilises pas de gants? Non. Je sais que c'était pas moi. Comme ça, elle améliore sa cuisine parce que je veux qu'elle elle maîtrise pas mal la cuisine aussi. Ah! Oh non, il est dégueulasse ton truc. Vas-y, tu me le fous en l'air. Non, dis donc, tu me le fous en l'air. Va faire les rats. Tu fais ta douche. Qu'est-ce que t'as cassé? Qu'est-ce qu'elle a cassé? Elle a empiré pour les rats? Mais arrête de chanter, toi, là-bas! Malade mentale! Elle a pas... Mais t'as pas fini, hein. Vas-y, remets. Je m'en fous, tu mets plusieurs tapettes. Et après, t'appelles Dani. Oh, Dani! Oh, Dani, Dani Blue! Oh Danny Blue, oh Danny Danny. Et Nounouche, Nounouche il a faim. Ah puis ça pue. Oh là là. Essayez de réparer. Ok. Je suis désolée, il y a eu un gros... c'est quoi là qui s'est fait bling là devant mes yeux là? J'ai pas compris. Ok. C'est bon? Non mais arrête avec ta mère. Elle commence à casser les couilles ta mère. Appelle Dan. Ah bah... Mais... Oh, oh. Va te laver. T'as besoin de te calmer et t'as faim et tu dois pisser et y a rien qui va. Ah mais il est là! Oh, il est tristoun, chou! Il est toujours ado. Parce que là, elle a fait de la merde. Au niveau bouffe, elle pue. Elle a faim. Il n'y a plus rien qui va, quoi. Les étalages pelouses, puis les réactions avec les analyses au trailer, je les regarde tous à la suite. Ouais, moi, je le fais, les réactions-analyses, parce que... Bah, en fait, je commence à me poser la question si je continue, parce que tellement tout le monde le fait, en fait. Mais ouais, elle marche, tu vois, les vidéos, donc... Enfin, plus ou moins. Celui d'écologie a bien marché, kit tricot de pro, moins, quoi. J'ai jamais lu les règles, mais j'imagine que ça évolue en fonction des sorties. Deux. J'ai pas trop... Il faut qu'elle pack pour les... Ah, le Legacy! Ben, j'en ai aucune idée, même jeu de base, en fait. Parce que t'es pas obligé de faire, si t'as pas les carrières, tu les fais pas. C'est du, hasard en fait, les traits que tu auras pour tes sims, c'est du hasard. Et ainsi que l'aspiration. Donc en fait, t'es pas obligé d'avoir des trucs. Mais les règles du Legacy, elles sont là. Voilà. Alors, partagez l'esprit, viens parler avec lui. Ça te fera du bien. Skador. Tribna. Get up. Wow. Emil. Je fais de la pif seulement sur Twitter parce que sur les autres, il n'y a personne. Ouais, j'avoue, c'est pas facile. Hein.
Après, je suis comme tout le monde, j'ai commencé avec personne, hein. Je suis très content d'être arrivé à 5000 abos sur YouTube, c'est énorme. Et là, on est à 1200 sur Twitch, c'est beaucoup Twitch, et c'est quand même compliqué pour faire son trou sur Twitch, j'ai envie de dire, c'est un peu complexe, hein. C'est pas si facile, hein. Bon, là, je suis très loin des autres streamers, hein, mais je suis déjà très contente parce que j'ai. Vous êtes là, vous êtes des habitués et tout, et il y a toujours des nouvelles têtes et tout, donc moi, ça me fait super plaisir à chaque fois. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Le petit Dan s'est fait pécho. Pas encore, Bubu! Il est là. C'est son jour d'anniversaire. Mais il est encore ado, donc on va attendre qu'il grandisse. Efficace ce bot. Moi, je l'ai configuré exprès. C'est pas grave, Madame J. Tyrion, arrête tes conneries. Tu vas t'en prendre une, hein? Fais gaffe, hein? Maman, elle est colère, hein? Et il répond. Maman, elle est colère! Je pense pas que vous l'avez entendu, mais. Après, je trouve ça cool que les plus gros youtubeurs Sims donnent un petit coup de pouce. Oui! Étape terminée! C'est parfait, comme ça m'évite de répondre à la phrase. Ni Ateng! Ateng! Mais j'avais déjà atteint le niveau 3 dans deux carrières! Bah écoutez, c'est déjà validé, il me dit. Pourquoi je suis pas au niveau 3? Je suis au quel niveau? Je suis au niveau 2, c'est n'importe quoi, mais des codes. Niveau 5 de 5 compétences. Mais je la connaissais pas, cette aspiration, en fait, en vrai. Je la connaissais pas. Oh mon dieu, les cafards. Les cafards sont revenus! J'entends les chouches, 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 chouches. Je suis désolée hein, pour ceux qui détestent ça, mais les cafards sont là. Les cafards sont de retour. C'est un appart de merde. C'est pire que moi. Hein. On va pas les regarder, on va faire... voilà. Mais là, j'entendais les chrunch 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 dans l'oreille. On attend qu'ils deviennent une danette. Putain, je retourne en avant, j'ai trouvé la chanson La Manielle. La Manielle? La Manivelle, peut-être? Maman, elle est colère, je suis morte. Bah quoi? Saleté de chat. Non, mais il arrête pas d'emmerder Dex. J'ai beau lui crier dessus, lui il se fait cracher dessus, il continue quoi. Je comprends qu'il a envie de jouer. Je le comprends tout à fait. Non, mais fais pas de ballon! C'est pas le temps pour faire les ballons! Alors? Allez! Tu vas annoncer le grand repas, comme ça il sera content, il va manger avec toi. Mais t'arrêtes de parler tout seul, mec? Comment ça se passe? Qu'est-ce que t'es tristoun? Non! Mais reste, chanchou! Oh, chouchou, reste. Quand est-ce que tu grandis? Merde. Et ben voilà! Est-ce que tu peux rester longtemps? Apprends la responsabilité. Ah putain. Oh! C'est réconforté. Tu veux pas manger mon jambon? Pardon. Je pense aussi Simlover, c'est exactement ce que je pense. C'est tout sur les jeux que tu fais, moi aussi, sont des jeux connus, tout le monde stream sur cela, du coup c'est impossible de se faire une place en jeu. Ah, c'est compliqué. En fait, dans la chance que j'ai, c'est que j'avais quand même un certain nombre d'abonnés sur YouTube quand j'ai commencé à stream. Et du coup, comme je faisais stream un peu YouTube et un peu Twitch, j'avais quand même quelques personnes sur Twitch. Et là, je suis passé full Twitch en live et c'est très bien aussi parce que bah, j'ai les habitués qui sont là et puis j'ai toujours des petits nouveaux qui me connaissent pas et qui débarquent sur mes lives, donc ça fait plaisir quoi. Et du coup, après, s'intéresse aussi à la chaîne YouTube. Je les cafards, mais je déteste par du tout les araignées. Ah non, mais moi les araignées, c'est pas possible. Hein. C'est mon cauchemar. Hein.
Ouais, parle de cuisine. Quand est-ce qu'il grandit? Je pense qu'il faut qu'il rentre chez lui, peut-être, pour grandir. La chanson, la chanson. Tu... Voilà, chante. Il est 23h? Non, non, chérie. Allez, retourne chez toi. Retourne chez toi. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as le cul en dessous de ta chaise? Ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas eu un bug. Et pourquoi t'as rapetissé? Pourquoi? Lila! Elle a remonté. Elle a les fesses rebondissantes. Oh là là! Justine, qu'est-ce qui... Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as spamé? On dirait trop que tu parles de mes chats, ils sont pareils. Les chats, quoi. Il est parti? Ah, c'est la musique des Sims. Ça, j'aime. Purée, grandis, mon petit. Oh! Qu'est-ce que t'as, toi? Est-ce que vous pourriez baisser le son? Mais va te faire foutre, oui. Attends. Il est où le son? Réglez le volume. Il est moyen! Ouais, c'est vrai qu'il est minuit en même temps. Voilà, j'ai baissé le son, dégage maintenant. Déjà que tu me casses les pieds quand tu chantes faux. Bon, comment ça me péter les noix? Bon alors? Oh putain. Non, j'ai envie de finir. On va continuer. On va attendre que monsieur devienne ado. Qu'est-ce que t'as? Ah, il y a de la musique, ça te plaît pas? Allez hop, va dormir. S'en fout du voisin. Quelle mauvaise voisine! Je sais. Vous venez de faire une grosse erreur. Je m'en souviendrai. Ah oh, putain, si je pouvais dire ça à l'autre du dessus. Oh la vache! Ce serait tellement beau. C'était quoi ce bug? Non mais moi, les bugs dans ce jeu, je... J'ai mis trop de majuscules, j'en ai... Oh ma bichette, je suis désolée. J'ai juste que les serpents, c'était les bestioles de l'enfer, selon moi. J'ai... Ah oui, bah oui, forcément. Ah non, mais serpent, je suis pas fan non plus. Hein. Araignée, serpent. Après, tout ce qui vole, j'aime pas. Ça peut être une mouche. Hein. Bon, les mouches, j'arrive à les reconnaître assez rapidement, donc j'ai moins peur. Mais tout ce qui n'est pas une mouche, j'aime pas. Pour moi, c'est des... Voilà, c'est des saletés qui vont venir me piquer. Et ça, j'aime pas. Bon, elle travaille pas non plus. C'est parfait. Et moi, j'attends... Mauvais terme avec Philippe Petit. Je m'en fous. On va le faire emménager, là. On est sur un jour de repos. On va... Jeune adulte. Ah bah, ça va pas être long, hein. Allez, viens, chérie. Il était tout frais, là. Attends, parce que les chaque seconde qui passe sans être sous notre contrôle, il fait des bébés à d'autres personnes. Hey, let's go! Vas-y, touche en... Douche. Touche avec embué, j'ai dit. Hein. Dan dort. Ah! Ah ouais, il y a 6h du matin. Mais non, c'est bon, t'es adulte, mon petit. Oh, il casse les pieds. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, Bubu! Merci, ma belle! T'es trop mignonne! Bisous à toi, Smiley Boule. Merci beaucoup. Les moustiques de la nuit, j'essaie de dormir vraiment. Ah, alors j'ai acheté un... Je savais plus si j'avais... lequel j'avais pour acheter une recharge. Mais les trucs qui se branchent, là. J'en ai pris un aujourd'hui, j'en ai marre. Je me fais bouffer, là. Ça me saoule. Donc, mais merci beaucoup, Bubu. T'es adorable. Mariage. Oh, les cafards, ils sont encore là. Vous voulez le mariage tout de suite? Vous voulez pas un mariage en blanc, cérémonie et tout? Vous voulez un mariage en caleçon sur le pas de la porte, quoi. On va enfin partir du disque. Bah là, il dort, hein, donc en ce temps-là, il fait plein de bébés. Hein. Vas-y, c'est à 8h, je crois, qu'ils peuvent venir, les gens. Je sais plus. Allez, on s'en fout. C'est qu'il y en a de ces saletés, hein. Ça va, il n'y en a plus. Non. Ah oui, il arrive, il arrive, il arrive.
C'est tout bénef, ma petite fille. Tu vas ken, tu vas pécho. Ce beau Dan, oh qu'il est beau. Il est là, il est beau, il sent bon le sable chaud. Brrr. Oh, il a mué, il a une voix d'homme. Là, se prend méga râteau. Il y a des chances. Hein. Là, elle va attaquer direct en plus en donnant une rose, donc il y a moyen. Oh putain, les cafards, ils sont revenus. Tumba. Ah, attention! Tu vas le flatter parce que c'est un homme et tu vas lui embrasser les mains avant de lui embrasser autre chose. L'enlacer. Ouais, c'est bon, c'est comme sur des roulettes, hein. C'est comme papa dans maman, hein. C'est comme du beurre sur le carrelage. Hein. Elle est buggée avec son ballon, elle. Prends une pause sexy. Enfin, je vire le fauteuil parce qu'ils pourront pas aller niquer. Ah, on a une douche. J'ai oublié. C'est bon. Oh, chibi. La 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 la. Échanger sur une plage en été au milieu des cafards. Pas trop tard dans mon appart pourri. Ah bah grave réceptif hein. L'amitié étant au max, c'est facile. On fait la totale pour le mariage, on va faire ça la semaine prochaine. Ouh, vas-y, je bombarde de photos. Je pourrais faire un kiff. Ah voilà, la sousa. Ah tu m'étonnes. Non, pas de bébé. Le jeu il sait que je dois faire des bébés dans cette partie, mais non, pas maintenant. Je suis désolée mon petit. Ces Sims sont stressés par la stabilité, que ce soit dans leur relation amoureuse ou leur carrière. Moi je m'en fous. Allez, allez, allez! Tu vas l'embrasser, l'embrasser, l'embrasser. Être désirable, être désirable. Tu vas le faire emménager, hein, direct. Allez. Bah c'est du spoil, le screen. Je le mettrai pas avant samedi, hein, ça c'est sûr. Salut Aurélie, comment tu vas? Il est chaud brûlant, il va prendre cher, Lila. Oh, oh, oh. Oh, vas-y, chérie, tape dans le fond. Oh, c'est bien, on est resté dans le bon en plus. Allez. Tu vas faire une autre première fois après ta première fois de docteur, j'avoue. Je suis pas sûre qu'il puisse passer. Ouais, c'est ça. Je m'en doutais. Ah, cet appart, il est mignon, hein, mais alors, il est pas bien aménagé, hein, bon sang. Putain, les cafards. Oh, c'est ma chanson. Pop, 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 pop. On va le mettre là, de toute façon, on va jamais dans la... Hey, crac, 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 cric, craquito, cric, cric, et craquito, et crac, crac avec Danny. Danny, viens mon chéri, on va se dépuceler ensemble. Oh, oh, oh oui. C'est tous des bons dans... Mais je pense que c'est une famille que j'ai pris dans la galerie. Ouais. Oh, pff, oh les abdos. Chaleur. 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 Bon ça va, il était pousseau aussi. Logiquement, il n'y a pas de bébé. Salut Bobo Parisien, comment tu vas? Refait l'intérieur de mon intimité, je ne peux plus rien reconnaître là-dedans. Oh, c'est trash. Ah, c'est chaud, chaud, pas. C'est chaud pou. Hein? Chaud poulette. Alors, c'est quoi son dernier trait à celui-là? Attendez. Alors, joyeux, bienveillant, perfectionniste et sociable. Bah, c'est très bien ça. Et bah, voilà. Faudra lui trouver une carrière, les enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que là, maintenant... alors... tu vas... On fera ça la semaine prochaine, le mariage. Là, c'est juste la demande. Ça va être rapide, parce que le divorce sera rapide aussi. Hein. Oh, c'est beau!
Ouais, j'adore sa crotte au-dessus de la tête, c'est superbe. Oh, regardez cette sur. Moi, j'ai pas le chat et ma tronche, donc c'est beaucoup plus agréable pour moi de regarder, hein. Ils vont nous faire des bébés. Plein de bébés. Un truc badass militaire? Pourquoi pas? En pyjama. Mais oui, c'est juste des fiançailles, y a pas de. Il s'est dit, ah non, mais là, tu fais trop bien l'amour, chérie, je veux m'engager avec toi à vie. Et elle a dit oui, hein, sachant qu'elle est résistante à s'engager. On fera donc le mariage la semaine prochaine et le divorce aussi. Allez. Allez, on va fêter ça. Allez, on va fêter ça, hein. Mon thermomètre a éclaté tellement c'est chaud. Agent secret. Non, agent secret, on le fait déjà avec Madeleine. Tyrion. Mais c'est pas possible, hein. T'es un thug, toi, hein. Petit con, va. Quel chiant, ce chat. Arrête pas d'emmerder mon loulou. Excusez-moi. Être mère de famille, c'est pas facile, hein. Bon, on finit la journée et on est bien. Hein. Accélérez le pas, les enfants. On n'a pas que ça à foutre. Alors, tu vas me faire du yoga. Tu vas peindre une toile en jaune. Tu vas me faire avant. Oui. Enfin, oui. Arrête avec ton ballon, là. Tu me casses les pieds. Toile en jauneuse. Hop. Après, tu vas manger. Il faut taper dans le fond, hein. Alors, on va lui faire faire carrière. C'est parti. Mariage, divorce et remariage dans la foulée. Ben, je pense que quand ils vont divorcer, ils vont être dans le rouge total, donc ça va être long pour remonter, mais... Militaire, ça vous va? Sachant que du coup, ils pourront bientôt déménager. Hein. Allez, après le mariage, ils déménagent. Sachant que moi, je le garde dans le foyer, hein, même s'ils sont divorcés. Comme ça, ils iront habiter dans une petite maison avec deux chambres séparées. Ça vous va? Tempête sous la couette. Et divorce aussi. Ah ouais, est-ce qu'on est obligé de divorcer? On se marie la semaine prochaine et 2 jours après le mariage, on divorce. Mais on sait pas si ce qu'on veut, on sera biboche, c'est ça. Militaire? Allez, go. Alors, qu'est-ce que tu dois faire, mon chou? Atteindre le niveau 2 du fitness. Bah, là, tu vas y courir. En plus, j'adore faire courir les Sims à la moindre occasion, donc... Bah oui, c'est bon, il va courir, là, le sultan. Oh, la tête. Salut, bébé. Ouais. Lundi à 6h. Il va se lever tôt. Hein. Ah, désolé, Alex. Pourquoi 115 simflouzes? Voilà, elle va manger. Elle va vendre ça. Alors, elle doit faire plein de choses. Elle travaille pas, j'en profite pour monter ses skills. Hein. Après, tu feras du yoga. Tu cours, toi? Et pourquoi tu cours en chemise et jean? Mais, ah! C'est qui cette meuf à qui tu parles? Elle est belle, mais quand même. Tu cours. Ah, mais oui, parce qu'il a été courir, donc il a gagné. Pardon, il a gagné ses sous. Putain, mais vous gueulez dans les oreilles, vous? Oui, ils vivent ensemble, même séparés. Oui, c'est ça. Mais on déménagera pas toute... La semaine prochaine, on fera mariage et divorce. Ça va être sympa, ça va être mouvementé. Et après, on déménagera. Et on refera une petite maison. Parce que bon, à deux, on le divorce dans l'appartement, ça va être... Bah, va te laver Mais t'arrêtes un peu de parler à toutes les meufs, là. Non. Tu parles avec un mec qui s'appelle Florent Rousseau. C'est le douanier Rousseau. Allez, rentre. On va en profiter. On va vendre les nains, là. Parce qu'ils servent à rien, en vrai. Voilà. On n'est pas... Ça va, on est à 8000...
Oui, c'est toi qui pue. Oui, oui, c'est toi qui pue. Allez, pipi champion, douche. Bichette, yoga. Qu'est-ce que tu fais avec autant de vaisselle, toi? Voilà, la vie de couple. Oui, il y a des souris, il y a des rats dans la maison, il y a des cafards, il y a des fuites d'eau, il y a des odeurs cheloues, il y a des problèmes d'électricité. Moi, je vais être contente en partant de là. Hein. Oui. Faudra qu'on voit aussi ce que les filles sont devenues ses sœurs. C'est bon. J'avais pas vu qu'il y avait cassé, cet idiot. Va tirer à réparer. Toi, du coup, c'est quoi ça? Bah, si c'est des cafards, tu les... Oui. Vas-y. Au moins, ils seront deux à gérer les problèmes de cette maison. J'ai pas remis le meuble, hein, parce que bon. Mais non, fais pas à bouffer! Salade du jardin. Au moins, il foutra pas le feu. Déjà ça. Ses voisins, là! Bravo! Elle arrive au niveau 5! C'est bien! Ça va, je trouve qu'on aura quand même avancé sur les compétences parce que... Il y a besoin. Sur cette génération, donc bah, au niveau 5, c'est bon, elle arrête. Et elle ira aller réparer les toilettes. Et voilà, ma belle. Nous sommes à 3 compétences qui sont déjà au niveau 5. Et elle aura bientôt aussi le bricolage. Enfin, au niveau 5, je sais pas, mais on va lui faire monter aussi. Tu peux essuyer. Est-ce que tu peux améliorer les toilettes, tout à fait. Chasse d'eau supérieure. Allez, vas-y. Toi, oh oui, tu dois pisser. Bah... D'accord, il y va juste avant qu'elle aille le bidouiller. En plus, la semaine prochaine, tu pourras la faire tricoter. Tout à fait. 15 plombes pour prendre une douche, c'est pas très écolo. Bah... À peine ensemble, déjà la routine, c'est ça. Oh! Salut Jody! Merci beaucoup pour ton host! Et bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a? Ah ouais. Oh là là, c'est sale. Bah écoute, tu jettes, hein, mon coco. Alors, nous sommes sur la fin de l'épisode du jour pour le nœud de Sauberry. Et notre petite Lila, qui est donc l'héritière de la génération prune, vient de se fiancer avec ce monsieur. Alors, il vient juste d'être adulte, et à peine il était jeune adulte qu'on a, on a mis le grappin dessus, donc on est déjà fiancé. Et ben voilà quoi, donc la petite routine, on travaille sur ses compétences à elle, et puis lui, on vient de le lancer dans la carrière militaire, j'ai vu un bug. Et il s'ennuie déjà apparemment parce qu'il sait pas quoi faire. Regarde mec, t'as la vaisselle là, s'il te plaît. Tu peux regarder la télé après, promis. En tout cas, merci beaucoup. Gros bisous à toi. Les moules, oui c'est vrai que c'est les moules, j'avais oublié. Tu peux pas te mettre un voisin en vie d'ordure, j'aimerais bien, celle du dessus par exemple. Ce serait pas de refus. Bon là, elle améliore les toilettes. Parce qu'il faut faire pas mal de... En fait, on doit avoir beaucoup de compétences à niveau 8 minimum et 2 de 10. Donc elle est obligée d'apprendre et de faire beaucoup de choses. T'as fait pipi? Bah tu peux retourner à la douche, mais qu'est-ce qu'elle... C'est long, dis donc. Hein. Tu t'ennuies Qu'est-ce que tu peux faire Bah alors, je pensais que je t'avais demandé de regarder la télé. Oui, bah regarde la télé. Voilà. Alors, ils vivent dans un super petit appartement qui a des cafards, des rats, des fuites d'eau, des odeurs cheloues et des problèmes d'électricité. C'est le petit nid parfait pour un petit couple. Bonne couture, bonne série, bonne soirée. Ah, toi, les masques, vous avez... Ah, c'est... ah, tu vas les vendre, vous allez vous faire du pognon. Des bisous, Liane. À bientôt. Rappelons que Lila est réticente à s'engager, c'est ça. Mais elle va se marier avec lui la semaine prochaine, on fera le mariage. Puis le divorce. Puisqu'on est obligé de divorcer. Et de se remaquer après avec lui. Donc ça va être sympa la semaine prochaine, on va se marrer. Tout en bien sûr gérant sa carrière, ses compétences. On est... c'est bien.
Et là, bah, elle est déjà fatiguée, il est minuit, elle est dodo tout le monde. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour les Sims, puisque ça fait un moment qu'on est là-dessus et qu'on a dépassé. Je mets sur pause, j'enregistre et je remercie YouTube pour m'avoir regardé cette rediffusion. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis donc à très très bientôt. Des gros bisous, ciao!